du festival, à la fin de la séance, vous allez pouvoir voter en sortant, vous allez pouvoir utiliser le bulletin de vote que vous avez donné à l'entrée. Il y aura des urnes, ils ont des formes numérotées de 1 à 5. 1, vous n'avez pas aimé le film, 5, vous avez adoré, et vous pourrez rentrer les deux. Nous, à la fin du festival, on fait une note sur tous les films et on vous dit qui est le grand gagnant avant la production de Shin Godzilla dimanche soir. Donc, petit mot pour remercier aujourd'hui Réseau Film d'avoir permis la projection de Revenge dans le cadre du PIF. Le film a été fortement apprécié et remarqué à Toronto, puis après, il a fait une petite tournée des festivals internationaux tels que CGS, Fantastic Fest. Et pour la France, en tout cas, c'est la troisième fois que le film est montré. Il a été montré au cinéma d'à Montpellier et à Angoulême. Et donc, c'est la première parisienne du film. Et je remercie énormément Réseau Film pour cette projection. Et bien sûr, Coralie et toute l'équipe de Revenge. Et je vais laisser Fausto dire un petit mot sur le film avant qu'on invite l'équipe. Merci Cyril. Bonjour à toutes et à tous. Et bien, à nouveau, je vais faire toujours très très court puisque l'équipe nous fait l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Simplement, un petit constat. On a souvent remarqué avec Cyril que le festival, en fait, basculé dans une autre phase quand nous étions le week-end. C'est presque deux salles, deux ambiances entre les premières projections en fait, qui ont lieu du mardi soir donc jusqu'au vendredi. Et après le week-end, ça bascule dans autre chose, grâce à vous. Je pense que les hostilités ont été déclarées hier soir à partir de Tragedy Girl, donc projetée à 19h30. Et là, on va continuer sur une lancée assez extrême aujourd'hui, avec des films qui vont pas mal vous éclabousser, dont Revenge. Vous allez avoir la chance de pouvoir rencontrer une partie de l'équipe et ensuite de pouvoir discuter avec la réalisatrice Coralie Farja. Donc je vais me taire, je vais vous demander de les applaudir. Coralie. Et de répulsion. On sent beaucoup d'envie, beaucoup de frémissements, mais encore pas mal de blocages. On m'a souvent dit que c'était impossible de faire un film de genre en France. Mais un film, c'est une volonté, voilà, c'est une profession de foi, et c'est des gens qui, à un moment donné, y croient. Donc je voudrais d'abord remercier les partenaires qui, à un moment donné, ont cru dans le film, se sont engagés sur le film et l'ont permis tout simplement d'exister. Donc à la base, ce sont les producteurs de Mets Productions et Monkey Pack Film. Ce sont aussi Canal+, Ciné+, Réseau Film qui distribue le film en France, Charade pour les ventes internationales et Logical Pictures qui est coproducteur. Merci à eux parce que sans ce moment décisif où on y va, il n'y a pas de film. Et surtout, ce film a été accompagné avec passion du début à la fin par toute l'équipe et les comédiens. Je leur ai demandé beaucoup, c'était un tournage difficile, voilà, il a fallu y croire jusqu'au bout et on y est arrivé. Donc je voudrais appeler sur scène, il y a encore plein de gens de l'équipe qui sont là, voilà, que je voudrais faire venir avec moi sur scène pour présenter tout le monde. Je sais qu'il y a Greg Vincent du bruitage, Elisabeth Bornois des costumes, Mathieu Arna du Steadicam, Pi, Laetitia. Voilà, s'il vous plaît, tout le monde venez, c'est un moment important. Les gens qui sont ici, les gens qui sont, je sais qu'il y a Thibault Lalanne qui est là, Jérôme Forel à l'Anthéa. Voilà, donc vous allez pouvoir voir donc, le travail qui a été fait à l'image. Robrecht Ebarf, le chef opérateur, Mathieu Lorna derrière le steadicammer. Au montage avec moi,
Jérôme Eltabet. Voilà. Qui m'a accompagné jusqu'au bout. L'équipe des effets spéciaux, maquillage, donc le sang, voilà, tout le sang que vous allez voir, c'est eux, Jean-Christophe. Sur le film, donc je remercie au bruitage Grégory Vincent. Voilà, au montage son, je ne les vois pas, mais je crois qu'ils sont là. Il y a eu Jérôme Forel, Alain Féa, Hélène Tabouret, et il y a eu le mixeur Christina et Cyril. Voilà, la musique, ça a été une rencontre géniale, artistique géniale pour moi. Rob, qui n'est pas là ce soir, mais il y a Thibaut et Alan qui travaillent avec lui, qui est ici. Voilà, Elisabeth Borua au costume. Voilà, et pour les cascades que vous allez voir, c'est Olivier Sarp, le régleur cascade. Ont été là depuis le début avec moi, ça n'a pas été simple. On a ici Vincent Colombe, et Guillaume Bouchet, voilà, Kevin Jensen et Mathilda Lutz ne peuvent malheureusement pas être là. Mathilda est en tournage au Portugal, mais elle m'a chargée de vous saluer, vraiment elle regrettait de ne pas pouvoir être présente. Et pour finir, je voudrais dire que le film voilà, est une grande métaphore sur le fait de vouloir briser les clichés. Voilà, c'est une histoire d'émancipation, d'empowerment, comme on dit en anglais. Je trouve que le mot est très très significatif. Donc pour terminer, je voudrais tout simplement remercier Asia Argento, Ashley Jude, Rosie McGowan et toutes celles qui ont osé parler de l'autre côté de l'Atlantique et ailleurs pour tout simplement briser la loi du silence et permettre de démarrer ce qui, à mon sens, est une révolution majeure. Voilà, donc tout de suite. Thank you.